On va se quitter avec la célébration ce 21 février de la Journée internationale de la langue maternelle. Il y a une vingtaine d'années que l'UNESCO a institué cette journée pour mieux promouvoir la diversité linguistique. On serait tenté de croire que la langue maternelle est la langue de la mère, ce qui n'est pas vrai. Elle est plutôt la première langue qu'on apprend. C'est la langue du berceau, de la famille ou encore de l'entourage. Parlons de ce socle sur lequel l'identité se construit à travers ce reportage. Suivez. Les mots peuvent façonner une pensée et le plus souvent, c'est dans sa langue maternelle que l'on réfléchit le mieux. La langue, élément culturel et essentiel de l'identité, célébré chaque 21 février, s'apprend dès la petite enfance, dans la famille particulièrement. Chez Richard, on vous lit, le français est l'unique langue de communication entre les parents et les enfants, imposée pour assurer une éducation axée sur des résultats précis. Le français parce que, d'abord, c'est une langue internationale qui permet de s'exprimer même à l'extérieur. Et d'ailleurs, cela a donné beaucoup d'avantages à mes enfants, parce que déjà arrivés à l'école, ils ont trouvé la langue dans laquelle ils s'expriment à la maison. La langue maternelle est au fond un moyen de communication de base dont le choix est dicté par l'environnement des vies. Et pas nanga awa langue o bana baloba mingi eza lingala. Bon baloba ka lingala puisque eza langue oyo bakuti ngai na lobaka yango depuis na laksa bango. Le bilinguisme est de plus en plus fréquent aujourd'hui dans plusieurs familles, mais beaucoup se battent encore à sauver les langues vernaculaires locales. Nous attend ici à la maison, c'est ça. Entre papa et maman, maman qui parle souvent lingala. Au cœur de Kinshasa, Eulali, couturière de son état, a elle aussi initié à ses enfants à ne parler que français dans l'optique de les ouvrir au monde. Ngai awa ningi na laksaka bango liboso français parce que tant ou bayebi déjà moi français wana et ko privilégier bango pour na facilement à comprendre dans la classe. Tant que vous avez des classes, vous avez comprendre ma cambo ou vous avez dans la classe. L'intérêt de la langue maternelle pour certains se justifie par sa capacité à mieux transmettre le message. Naza mutaba kongo na mutando. Langue yamboka nanga bana nanga ba ebité parce que nga moko pe mama na bango na ebité. Na ebité mais na ce que mutazo loba na yokaka mwa mkemi kepe na lobaka. Avec plus de 400 langues et dialectes, la République démocratique du Congo passe pour un pays où on retrouve des locuteurs passionnés dans ce domaine. D'ailleurs, la majorité des langues locales en RDC sont inscrites dans le patrimoine immatériel